Donc, Maxime Menuet, bonjour. Vous êtes professeur à l'Université Côte d'Azur et vous avez contribué à la revue d'économie financière 153 sur les inflations en rédigeant un article qui a pour titre Origine et persistance de l'inflation, quelques enseignements de l'histoire. Alors, une question. L'inflation, c'est quelque chose qui est un sujet qui est vraiment très débattu parmi les économistes. C'est quelque chose qui est, ne date pas d'hier. Comme vous l'avez bien écrit, ça date de l'Antiquité romaine jusqu'au développement du capitalisme au XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, XXIe siècle. Alors, question. Qu'est-ce qu'il y a à chaque période son inflation, j'imagine, et qu'est-ce qu'il y a de spécifique aujourd'hui à l'inflation que nous vivons, à la sortie, que nous avons commencé à vivre à la sortie de la pandémie Covid-19? Est-ce que, si on doit la comparer, par exemple, à une inflation qu'on connaît, celle des années 70, diriez-vous qu'il y a des spécificités, des ressemblances? Quelle est votre opinion? Ben, merci d'abord pour votre question et votre invitation. Alors, je vais répondre de deux façons. La première sur l'histoire un peu longue. C'est vrai que l'inflation a toujours été dans toutes les périodes et dans toutes les civilisations. Mais je crois de ce qu'il y a unique dans l'inflation que l'on connaît dans les pays occidentaux depuis le XXe siècle, c'est la répétition des crises d'inflation qu'il n'y avait pas avant. Avant, c'était des phénomènes assez épisodiques. Maintenant, ces crises sont assez répétées. Donc, je dirais d'abord dans un premier temps que le XXe siècle, c'est vraiment la période où les crises d'inflation se répètent. La deuxième manière de répondre, en comparant l'inflation qu'on vit aujourd'hui par rapport aux années 70, par exemple, la question la plus intéressante, ce n'est pas tellement la cause de l'inflation, parce que ça vient bien sûr des effets de demande, des effets d'offres, etc. Ce qui compte, c'est les phénomènes qui la maintiennent, qui l'auto-entretiennent. On pourrait dire dans les années 70, ce sont les politiques d'indexation qui étaient très fortes, qui ont maintenu l'inflation, qui l'ont auto-entretenue. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de politiques d'indexation. L'auto-entretien de l'inflation se fait davantage par ce qu'on appelle, les économistes appellent l'ancrage des anticipations. Aujourd'hui, les anticipations des ménages sur l'inflation à venir est très mauvaise et désancrée par rapport à la politique budgétaire. La deuxième raison manifestée aujourd'hui par rapport aux années 70, c'est les conflits sociaux. C'est vraiment l'inflation, on la comprend, la plupart des économistes la comprennent comme un conflit de répartition, comme un conflit de valeur ajoutée, sur la répartition de la valeur ajoutée. Aujourd'hui, ce conflit est beaucoup plus prégnant dans les années 70. Même aujourd'hui, par exemple, pour les Jeux Olympiques, on voit hein, tous les corps des métiers veulent avoir leur chèque Jeux Olympiques. Et donc ça pousse. Un dernier argument par rapport aux années 70, c'était que l'inflation était le principal moteur de régulation des sociétés capitalistes. L'inflation servait en effet de dépréciation du capital. Aujourd'hui, on est passé d'un mode de régulation non pas par l'inflation, mais par la concurrence. Et ça joue un moteur très important également. Mais justement, dans l'explication, moi, je reviens sur l'idée de conflit de répartition, hein, parce que peut-être que les causes de son maintien sont différentes, mais ce que je vois, c'est que tant dans les années 70 qu'aujourd'hui, c'est conflit de répartition. Est-ce que justement l'inflation n'est pas liée à la perte des gains de productivité auxquels on assiste, qui sont très importants? Alors oui, il y a des gains de productivité. Après, c'est aussi regarder à qui profite le crime, je dirais. Dans les années 70, l'inflation profitait essentiellement aux salariés parce qu'on voyait que le taux de croissance des salaires était beaucoup plus important que le taux de croissance de l'inflation, des prix, donc de l'inflation. Aujourd'hui, la croissance des taux de salaire est inférieure au taux d'inflation. Donc l'inflation aujourd'hui profite plus aux propriétaires, aux capitalistes, et ça le profitait dans les années 70 davantage aux travailleurs. Donc on voit que les conflits de valeur ajoutée sont toujours prégnants. On peut penser aujourd'hui qu'avec l'inflation, on l'analyse aussi comme une taxe, la taxe inflationniste, qui est beaucoup plus importante pour les bas salaires, pour les pauvres, parce qu'ils détiennent une part plus importante de leur richesse sous forme de monnaie, sous forme de cash. C'est donc eux qui payent cette taxe d'une manière plus importante. Donc aujourd'hui, on dirait que l'inflation, elle profite plus aux capitalistes. Elle est plus coûteuse pour les plus pauvres, contrairement aux années 70. Et donc la question des conflits de répartition se pose de totalement de la même manière. Je vous remercie.